Bonjour à tous, c'est Tiji, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pack opening sur le défi Europa League. Voilà, mais avant tout ça, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Donc, c'est parti, mais avant tout ça, on fait petite parenthèse, parce que franchement, ça vaut pas une vidéo sur le défi Célébration Coréenne. Voilà, il est loin d'être exceptionnel. Je vous explique vite en deux mots. Donc, tout simplement, vous avez des défis à faire, soit en normal ou en difficile. Je vous conseille quand même difficile. Parce que franchement, c'est pas si difficile que ça, voilà, vous gagnez plus de points. Et ce qui vous permet de gagner des packs. On va en faire un. Ah non, c'est un match. Ouais, non, on va pas en faire. Ouais, attendez. Ouais, non. C'est un match, ça va être trop long. Sinon, j'en aurai ouvert un, mais voilà. En tout cas, vous gagnez, vous ouvrez un pack comme ça avec 25 points. Si vous avez de la chance de packer Son, vous vous mettez quand même très bien. Même si au fur et à mesure, il doit peut-être pas coûter grand-chose, tout le monde va packer, voilà. À part aussi à des primes, voilà. Bon. Franchement, ça vaut pas une vidéo, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur le nouveau défi. N'oubliez pas de regarder vos pubs, c'est très important. Et si vous n'avez pas encore récupéré ça, c'est quand même aussi important, c'est 20 énergies. Donc n'oubliez pas. Donc, la petite parenthèse est faite. Donc c'est parti, on va dans le défi Europa League. On va faire d'abord un petit topo. Voilà, j'ai. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de finir le groupe E. Voilà. 3 sur 4. Bon, c'est pas grave. Groupe F, je l'ai fini. Voilà. J'ai eu Saka, ok, nickel. Groupe G également, fini Tavernier, le groupe H, j'ai pas su le commencer. Allez, c'est parti. Sur la précédente vidéo pack opening, on avait 7 packs à ouvrir. Et ben cette fois-ci, on en a 8. Voilà. On voudrait Suarez, Hakimi, bien sûr. Pourquoi pas. Mais bon. On va voir. En tout cas, on va pas être déçu quand il arrive. Allez. Sur la précédente vidéo, on a eu Di Maria. Allez, si on peut encore taper en main of the match, ce serait top. 3, 2, 1, c'est parti pour le premier des 8 packs. Allez. C'est parti, pack Europa League. Ok, c'est deux joueurs. Ok, en 71 et en 74. Ok. Deux joueurs, pas top. Mais bon, ça se prend quand même. Pardon. Hop là, voilà. Allez. Deuxième pack. Façon, on peut pas être déçu. Franchement, on a déjà eu Di Maria sur l'autre. En 72. Et en 75, encore deux joueurs, ok. T'as été toujours deux joueurs ou je le dis tout le temps mais. Ah ouais, c'est tout le temps deux joueurs, d'accord. Ok. Allez, c'est parti. Troisième pack. Ok. Et ok, un petit 76, d'accord. Pour l'instant, c'est notre meilleur joueur. En français, là, Omrani. Ok. Allez, c'est parti. Quatrième pack. Allez, allez, fais péter. On voit un gros truc. Okay, les primes 38, ok, plein de primes. Personnellement, ça me va. Franchement, je suis pas déçu d'avoir des primes. Personnellement, ça aide. Hein, franchement, c'est trop sous-estimé. Je trouve les primes. Yes! Allez, la chance est toujours là, mon gars. Luis Suarez. Ben voilà, on a packé Di Maria. Eh bien, on vient de packer Suarez. J'ai envie de te dire que on se met très très bien. Voilà. On continue bien sûr. Allez, bah voilà, maintenant franchement les trois derniers packs, franchement, c'est du bonus, j'ai envie de te dire. Voilà. La semaine dernière, Di Maria. Cette semaine, Suarez. Que demande le peuple, franchement. Là, franchement, ma chance là sur le FIFA 20, elle est là. Hein. Sur le 19, j'en ai pas eu beaucoup. Mais alors là, sur le FIFA 20, je peux vous dire qu'elle est présente. Hein. Ok, nickel. Des primes, ça se prend, ça se prend. Et le dernier pack, je pense déjà. Ouais, dernier pack déjà de cette vidéo. Allez, bon, si on termine par un Hakimi. Oh là là. Allez, on termine par un petit Hakimi, là, on est bien. Non, c'est des primes. Eh ben, franchement, je m'en fous. Voilà, franchement, Suarez, c'est nickel. Là, le joueur, je vais pas le prendre, ça sert strictement à rien. Il coûte que dalle, là, le Christie. Donc, on va récupérer les 100 primes techniques. Voilà, comme ça fait encore un bon boost de primes. Tac, voilà. C'est nickel. Donc malheureusement, peut-être que j'aurai assez pour ouvrir encore un pack. Bah bon, ça sera pas en vidéo. Hein, mais je pense de toute façon, c'est. Ou alors je garde mes points pour le défi prochain. Donc, vous ne serez classé pas, le défi n'est pas encore terminé. C'est juste que les poules vont se remettre à jour. Enfin, quatre nouvelles poules vont arriver. Donc il y aura les quatre dernières poules, je pense, parce qu'il y en a 12 en Europa League. Donc voilà. Le défi n'est pas fini. Il y aura encore des joueurs à gagner. Vous ne serez classé pas. Mais voilà. Donc, on va quand même montrer ce magnifique BU, voilà. Suarez, franchement, exceptionnel. Si on peut peut-être voir sa carte, voilà, vite fait. Tac.
Non, 97 en tir, un petit peu moins de vitesse, mais sinon c'est pas mal, l'accélération est présente quand même. Enfin voilà. Une machine de guerre, mais malheureusement je vais pas le garder, voilà, je vais le vendre, j'en ai pas besoin. Donc vous allez me dire, oh t'en as pas besoin, mais comment ça se fait? Ben réponse dans une prochaine vidéo, voilà. Prochaine vidéo demain, une vidéo exceptionnelle, comme vous voyez peut-être pour ceux qui sont les petits curieux niveau crédit, vous voyez que j'en suis plus à beaucoup, voilà, j'étais à 10 millions hier. Donc voilà, petit indice sur la vidéo prochaine. Voilà. Donc si ça t'a plu, on n'a pas été soirée, tu laisses le gros pouce bleu. Voilà, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Et tu actives une petite cloche de notification pour être avec mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. Et on se retrouve demain pour une vidéo exceptionnelle.